Attends, le drapeau, le truc du taureau, mais pourquoi vous... Wesh, par contre, je savais même pas qu'un taureau, ça se mangeait. Je savais pas que ça... Salut Yas, t'as parlé de Rebeu des Terres, mais les gars, vous voulez que je dise quoi sur Rebeu des Terres, honnêtement? Je pense qu'il a conscience un petit peu du bail qu'il a fait. Après, les gars, pour moi, après, peut-être que j'ai un avis biaisé parce que c'est mon pote, mais c'est pas le drama du siècle. Alors, ouais, Billy, ok, il a mal réagi, entre guillemets, et tout, non. Mais moi, je pars aussi du principe, je pars surtout du principe que il y a des mecs, ils sont en train de trash Billy, mais ils oublient juste parce que c'est Billy, parce qu'ils prient pour voir le downfall de ce mec, parce qu'il est bienveillant et tout, non. Et comme ils ont enfin l'occasion de trash talk Billy, ils s'en donnent à cœur joie, tu vois. Pour moi, ça, c'est une histoire, le truc de Billy. Le truc de Billy, je pense que vraiment, dans 2 jours, c'est oublié, Imo. Après, ouais, après, je pense qu'il y a aussi... Moi, je sais pas. Je sais pas. Attends, par contre, le taureau... Attends, le taureau. Parce que moi, le taureau... Le sang... Attends. Le taureau. Est-ce qu'on peut en manger, du taureau? Enfin, est-ce que c'est genre considéré comme du porc et tout? Putain, bizarre. Mais attends, mais c'est légal de manger du taureau? C'est du bœuf? Non, mais en vrai, je sais pas. Par exemple, vous savez que moi, je savais pas. Et franchement, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a genre 6 ans, 7 ans. Comment dire? Comment dire? Non, mais je parle pour les gens d'un point de vue pour les musulmans, tu vois ce que je veux dire? Et moi, par exemple, je savais pas que le sanglier, on pouvait pas en manger. Je sais pas, après, j'en ai jamais mangé. Mais par exemple, le sanglier, je pensais que c'était un truc aucun rapport avec du porc, quoi. Ah. Attends. Genre, vous avez déjà mangé du taureau dans votre vie? What the fuck? Genre, mais ça s'achète à Carrefour et tout. Ouais, t'achètes du taureau, genre. Mais je te jure que j'ai jamais vu. Mais j'ai jamais vu du taureau. J'ai jamais vu du taureau acheté comme ça, hein. Faire rôtir un énorme taureau. Attends, faire rôtir un énorme taureau sur une broche en acier. La meilleure viande que j'ai jamais goûtée. Putain, la vidéo a l'air d'être incroyable. 10 millions de vues! 10 millions de vues en 2 semaines! Mais c'est énorme! Ah putain! Ah, c'est énorme! Mais attends, on va s'envoyer un taureau! Ah, les stats de malade, wesh! Oh putain, oh déjà, oh là c'est magnifique. Oh là c'est magnifique. Il buzz plus que toi, mais il buzz plus que Michou, wesh, ça va, dans l'Azerbaïdjan, tu prends un gros taureau, mon gars. Genre ça a même le même goût que le bœuf, le taureau. Ah, mais c'est assez du bœuf! Oh, en fait, c'est un bœuf géant, quoi! Hey, j'ai l'impression que je suis trop con! J'ai l'impression que je suis trop bête là! Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire un barbecue là? Hey, à quel moment il doit être cuisson ton taureau? T'as besoin de la terre? Ah oh putain. Attends, je vais accélérer un petit peu parce que là, je pense qu'on s'en va vraiment un petit peu les couilles par contre. Je viens d'apprendre une dinguerie, mais vraiment, mais... Putain, il va faire cuire son taureau avec du caca, c'est de la folie, vraiment, j'ai jamais vu ça. Mais non, mais pourquoi il plante un arbre? Qu'est-ce qu'on s'en branle de son arbre? Pas avec tout le respect, mais... Wesh, oh le sous-mouton. Oh putain, par quoi? Ah ouais, non, mais il est... Ah ouais, c'est pat! C'est pat de zinzin, là. Il va se faire griller, ça va faire un Buffalo Grill. T'as kiffé la blague? Ouais, j'ai vraiment... Ah, j'ai vraiment kiffé la blague, là. Ah, là, tu m'as mis bien. Oh putain.
Attends, putain, les gars, là, c'est l'artiste. L'artiste commence. Regardez, regardez. Ouais, la queue et tout. Ah ouais, je suis désolé pour les vegans qui regardent le stream. C'est. Voilà. Oh putain. Ah, il a une boutique et tout, carrément, le mec. Être vegan, on est d'accord, c'est de manger aucun produit issu d'un animal. Ça veut dire même un œuf et tout, tu manges pas. Dites-moi si je suis con, mais. Et c'est quoi leur argument pour ça? C'est un argument écologique? C'est un argument éthique? Pas de fromage, pas de lait, wesh, c'est une dinguerie. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, mais il y en a pour combien de personnes là, sans déconner? Quand t'es vegan, tu peux bouffer des schnecks ou pas? Oh le beauf. Ah, attendez, pourquoi il y a une prédiction? Mais pourquoi il y a une prédiction là? Wesh, pourquoi il y avait la prédiction du dernier stream? Putain, ça me fait penser de base, je dois être au salon du barbecue là, les gars. Putain! Oh, le petit chat! Alors là, concernant les chats et les chiens, il y a un truc qui m'a fait réfléchir et il est réel. Un mec, tu vois l'âme d'une personne à la façon dont il se comporte avec un chat. Et ça c'est réel, à méditer. À méditer. Et son barbe. Ah ouais, c'est barbecue maison et tout, hein. Ah ouais. Putain. Ah, ce but-là, ouais, j'ai vu, il avait fait un truc bizarre, Nangui. Attends, là il est en train de setup le bail. Putain, là c'est en plus ça va être la saison des barbecues, j'ai trop envie d'en faire. Je kiffe de ouf. Je crois que les plus grandes passions dans ma vie, c'est vraiment dormir et faire des barbecues. Oh là 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 là, mais regardez, c'est pas fabuleux ça? Et les femmes? Et les femmes? Enfin, plutôt une femme. Parce que si je dis les, elle va me niquer l'autre. Vas-y, vas-y, il est en train de. Il est en train de mettre un moteur V12 pour son barbecue, ce mec, il est malade. Attends, vas-y, vas-y. Attends, putain, ça. Wesh, mais comment il est ingénieux? Mais il est trop chaud! Eh hey, mais il est chaud de fou, frère. Eh hey, chef. Mes respects, chef. La broche, elle est magnifique. Magnifique. Là, il fait quoi? Il met de l'huile, mais ouais, c'est de l'huile, hein. D'ailleurs, la viande, les gars. Quand vous faites cuire, votre, par exemple, une bavette à la poêle, vous faites cuire avec du beurre ou avec de l'huile? Et c'est une vraie question, ça, c'est pas du troll, je me pose toujours la question. Parce que je sais qu'il y a la team huile et il y a la team beurre. Avec du beurre. Pour la viande, c'est beurre. Et du coup, qu'est-ce que tu cuis avec de l'huile, les gars? Et le poulet, c'est avec de l'huile. Des frites. Ouais, mais les frites, c'est de l'huile de friture. Moi, je te parle par exemple de l'huile d'olive. Les légumes. Putain, moi je mange jamais de légumes. Hein. Là, je mange jamais de légumes. Je sais pas, il y a quoi comme plat avec des légumes qui sont bons, franchement. Des plats qui régalent un petit peu la foule, là. Avec des légumes. Moi j'aime que les oignons, en fait.
pizza poivron. Mais t'es bizarre, toi. Tu fais combien de kilos, Yash? Je fais 64 kilos, là, je crois. Ou 65, je sais pas. Un truc comme ça. J'ai jamais fait plus de 70 kilos dans ma vie. En tout cas. Qu'est-ce de fou. Ridge Gerbien, les gars. Mais incroyable, Ridge Gerbien. Putain, mais ça, c'est phénoménal. Et tu mesures combien? Je fais 1m76. Ah, je suis casse de fou, moi, les gars. Je peux manger tout et n'importe quoi. Je grossis pas. Je prends pas de poids. Ah, le citron. Bah, là, par contre, je vais me faire insulter. Mais le citron, pour moi, ça atomise un plat. Et je parle bien des plats, pas des desserts, mais des plats. C'est horrible, le citron, dans les plats. J'ai horreur de ça. C'est de l'assassinat. À part le poulet au citron. Mais même pas. Une tarte au citron, c'est bon. Mais je sais pas. Par exemple, mon père, lui, kiffe faire du poisson grillé. À chaque fois, il met du citron, ça me rend ouf. Je dis putain, mais. Enfin, je vais le manger, tu vois, mais t'as atomisé mon plat, quoi. J'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça. Tu manges quoi du coup? Je mange des tartes au smegma. Supplément smic. Dans une soupe, c'est un classique. Mais je sais pas, même dans la soupe et tout, ça me casse les couilles. Je sais pas. Le citron pour moi. Le citron, et il y a aussi pour moi un truc, mais s'il y a ça dans un plat, c'est rédhibitoire. Vraiment, je peux pas le manger. Tellement j'ai horreur de ça. C'est le persil. Le persil, j'ai horreur de ça. Ça nique le plat, mais d'une puissance. Putain, il y avait un plat rebeu, mais j'ai oublié le blaze. C'était un espèce de couscous avec du persil et tout. J'ai oublié le blaze. Je sais plus comment il s'appelle. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé. Mais avant, je kiffais. Et je sais pas, le persil, ça m'a. Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est pas du taboulé. Pour toi, la coriandre a le goût de savon. Attends, La coriandre. Non, mais je suis pas fan non plus. Je suis pas fan des herbes comme ça. Libanais, mais par exemple, pour moi, la bouffe libanaise. Et avec tout le respect pour les Libanais, hein. Mais pour moi, c'est la bouffe que j'ai le plus horreur. J'accroche pas du tout à la bouffe libanaise et pourtant, elle est connue et reconnue. Et j'ai trop du mal avec la bouffe libanaise. Beaucoup, beaucoup de mal. T'as un balai d'Oberman. Mais non, dites-moi des plats. Et moi, je vous dis si je les kiffe. Vous allez voir, moi, j'aime de tout. Shawarma, par contre, c'est bon, ça. Shawarma, ça, c'est bon de fou. Cuisine indienne, en vrai, ça va. Ça, c'est bon. Raclette, mais les gars, la raclette, mais faut arrêter, il faut arrêter avec la raclette. Arrêtez de me casser les couilles avec la raclette, les gars. C'est le truc, je pense, le plat. La raclette, c'est le plat le plus surcoté, mais surcoté de l'histoire de la cuisine. Vraiment, les gars. La raclette, qu'est-ce que c'est? Alors peut-être que je confonds, bah attends, je tape raclette. Voilà, c'est exactement ça. Les gars, la raclette, c'est de la pomme de terre et du fromage. Ça y est, c'est tout. Après, il y a de la charcuterie et tout. Ouais, ok, sauf que moi, la charcuterie, je n'en mange pas. Donc moi, déjà, je suis limité au niveau de la raclette. Mais je sais pas, les gars, vous faites un pataquès chaque année sur la raclette. Ouais, la raclette, c'est exceptionnel. Nanana. Mais les gars, la raclette, faut arrêter. Faut arrêter avec ce plat. C'est pas possible. Par contre, si vous me parlez de fondue bourguignonne, la fondue bourguignonne, là, je vous rejoins. Là, la fondue bourguignonne,
là je suis d'accord avec vous, là c'est incroyable. Ça c'est exceptionnel, la fondue bourguignonne. Non, pas savoyarde, pas savoyarde, bourguignonne. La meloucherie, en vrai ça va hein. C'est... ça va, c'est bon ça. Attends. Les lasagnes les gars, le meilleur plat du monde. Yas, tu parles arabe? Eh, moi je vais pas faire le mytho. Je fais pas le mytho, je parle pas arabe. Moi je fais pas le mytho mon pote. Lasagne explosée. Mais je suis pas d'accord, mais arrêtez les gars, vous me rendez fou là. Vous me rendez fou. En plus, moi j'ai trois sœurs, mes trois sœurs, elles parlent parfaitement arabe. Mon père et ma mère ont toujours parlé arabe chez moi. Mais je sais pas, moi je parle pas arabe. À la limite, je le comprends. Je le comprends dans les traits, dans les grandes lignes, ça va. Mais le parler, j'ai trop du mal. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. La mousse sur le taureau. Ouais, je suis rejeté de la famille, vraiment. Lasagne, trop basique. Putain, il met du pipi sur la viande, quoi. C'est vraiment... Il met de la pisse sur la viande, frère. C'est quoi, ça? Par contre, là, les gars, mais je pense que je sacrifie la moitié du chat pour manger cette viande. Vous rendez pas compte, là? Là, vous vous rendez pas compte. Eh, les gens, ils ont l'air d'être trop... Eh, en vrai, mais là ils ont leur vie idéale, là. Là, la vie qu'ils ont, incroyable, frère. Ils jouent au foot, vue sur les montagnes, sous grosse viande. Oh là 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 là. Oh là. Oh. Attendez, les gars. Là, par contre, regardez, s'il vous plaît. Là, s'il vous plaît, faut regarder, les gars. Oh. Ah ouais, c'est du sérieux. Là, c'est du sérieux. Oh là 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 là. Mais ça c'est du sérieux les gars. Ça c'est du sérieux. Mais je vous patate tous pour prendre une part là hein. Oh putain. Bah ouais mec. Oh là 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 là. Yas, tu penses quoi de la sauce en général? De la sauce? Comment ça? Oh putain, mais là, mais un sandwich avec ça. Mais c'est trop magnifique. C'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Regardez, même le gras, il y a même pas de gras. Il est où le gras? Oh putain ouais. Ah là il me régale. Ah là il me régale. Bon là je suis là je sais pas trop ce qu'il fait. Là j'ai envie de lui casser la gueule par contre. Là le concombre qu'il a mis énorme, j'ai envie, il a je suis pas convaincu. Oh non putain, mais non. Non. Mais tout non, et tout était bon. Tout était bon putain. Mais pourquoi il a mis du persil? Mais pourquoi il a mis du persil putain? J'aime pas du tout le persil. Je n'aime pas le persil, putain. Comment s'appelle cette sauce? C'est la sauce blanche, non? Şiler salam, necesiniz? Yaxşıyım. Oo, bak, size indi dana pişirmişim. Dana döneri. Ala. Nuşlu olsun. C'est de la zerbe. Ala. Les mecs qui viennent d'Azerbaïdjan, ils parlent quelle langue? L'Azerbie? Ils parlent le turc? Oh putain. Sauce yaourt. Putain, en vrai, ils ont l'air de se régaler. Bon appétit, les chefs. Eh les gars, par contre, s'il vous plaît, soyez polis. Ici, on est des mecs polis, on est des mecs civilisés. Souhaitez-leur bon appétit, s'il vous plaît.
Putain, mais regardez la jeunesse magnifique qu'ils ont. Magnifique. Avec le petit chat et tout, magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. Tu m'envoies ça avec des énormes frites, mon pote. Oh. Mais c'est mon rêve, là. Mais c'est mon rêve, les gars. Même là, j'ai envie de le manger. Mais même le chat, il va y passer. Laissez le chat tranquille. Putain, lui, c'est trop le boss. Je suis tombé 2-3 fois sur ses vidéos. C'est le boss de maths, ce mec. Oh, putain. Oh là 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 là. Magnifique. Aussi, les gars, parce que là, je bois une sauce blanche. Du coup, je pense à la sauce blanche. Dans un grec, les gars, la sauce blanche, éliminatoire. Éliminatoire de ouf. C'est voilà, c'est mes goûts. Mais sauce grecque au grec, sauce grecque, sauce blanche au grec, bizarre. Tu prends sauce algérienne barbecue, alors harissa algérienne, là, il n'y a pas de problème. Mais blanche! Aïe, sois normal, mec. Oh putain, mais régale-toi, chef, tu as tellement mérité. Barbecue, mais les gars, c'est incroyable la sauce barbecue mélangée à la sauce algérienne. Un banger, vous êtes pas prêts, c'est une dinguerie. Vous êtes pas prêts pour ce débat, les gars, c'est de la folie, c'est patate. Oh putain. Super. Super. Attends, faut que je me le repasse. Oh le goat. Oh, faut que je le repasse. Oh putain, quel patron. C'est eux qui disent super, c'est là. Super. Eh, ça se voit, il est trop gentil. Les darons comme ça. Mais ça se voit, ils sont trop gentils, frère. Super. Oh putain, magnifique. Ah toi, il a d'autres vidéos le mec. Putain, mais je vous jure que 10 millions de vues les gars, mais c'est pas assez. J'ai attrapé un énorme poisson et je l'ai fait cuire dans un gros tandoor. Mais c'est quoi cette dinguerie là? Comment ça un gros poisson, genre il fait quelle taille son poisson? Wesh. Est-ce que vous aimez bien le poisson les gars? Est-ce que vous aimez bien le poisson? Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Hein. Ah putain, mais voilà. Ah, pour moi, ça y est, il a anéanti le plat. Ah non! Non mais c'est horrible là! Non mais c'est horrible! Tu fais quoi? Non mais c'est insoutenable! Non mais, ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh putain, il a chopé Green Cujo. Ah, il a chopé la daronne de Green Cujo dans son étang. Vas-y, chope, vas-y, chope, attrape. Wesh, mais il est fat. Eh, comment il est. Eh, il est balèze, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est. Il est balèze. Big balèze. Royal. Putain, regarde-moi ça, comment il nettoie la poiscaille. Ça, c'est du poisson, mais je sais pas, le poisson... Il y a quoi comme poisson banger? Il y a la sole, qui est incroyable, le bar, c'est exceptionnel, la dorade, je trouve ça horrible. La dorade, c'est horrible. Le thon, c'est bon, le thon grillé, putain, steak de thon, ça, c'est bon, ça. Il y a le Saint-Pierre, le Rouget. Il y a quoi? Après, je sais pas. Mais les gars, le saumon, monumental, le saumon. Trop, trop bon. Chip. Oh, regardez, il mange. Bah oui, tu te régales. Ah oui, bah oui. Régale-toi, mon pote. Sardine, top 3 poissons, les gars. La sardine, faut arrêter aussi avec la sardine. La sardine est un poisson, les gars. Tu ne prends aucun plaisir à le manger. Aucun.
aucun plaisir à le manger. La sardine, c'est horrible. Minab, 0 sur 20. Ah non, pour moi, la sardine, c'est 0 sur 20, vraiment. Attends. J'en bouffe tous les soirs et je parle pas de poisson, d'accord. Attends. Croustibat top tier. Oh, vas-y, s'il te plaît. Hey, un poisson pané, j'en ai pas mangé depuis un milliard de siècles. Moi, il y a un truc qui me fait, tilter à chaque fois. Dans les restaurants, ceux qui prennent des fish and chips. Les gars, j'ai envie de vous battre. J'ai envie qu'on se batte tous les deux ensemble. C'est pour moi, c'est. Tu vas au resto, tu prends un fish and chips, faut que t'ailles te faire enculer. C'est trop une dinguerie, frère. Tu vas perdre, c'est possible ça. Après, quand t'as vraiment pas le choix, ok, tu prends ton fish and chips, y'a pas de problème. Mais quand t'as le choix. Ouais, vas-y. Oh, ouais, par contre, le sel, comment il abuse. Trop bon fish and chips, horrible. Putain, ça me rappelait les vendredis. Eh, les vendredis au collège et tout. Quand t'avais ton filet de colin minable à la cantine. Après, il me semble que c'est un truc religieux, donc vas-y, je respecte. Mais putain, comment j'avais trop la haine. Ah, je trouvais ça horrible. Horrible. C'était vraiment le pire jour. Le pire jour pour moi d'aller à la cantine. Je préférais manger dehors. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, pourquoi vendredi? Pourquoi vendredi, le poisson, ça signifie quoi, les gars? Dans la religion, c'est la religion chrétienne, c'est ça? pas de viande le vendredi. Parce que Jésus est mort là, vendredi, donc pas de viande. Ah ouais? C'est vrai ça ou c'est faux? Moi je t'avoue que j'avais pas du tout. Putain, qu'est-ce qu'il fait là? Là il va nous régaler. Là il va faire le barbecue du siècle. Il va faire. Là les gars, regardez bien, il va nous pondre le barbecue. Il va nous plier un classique, je pense. Mais putain, mais l'orange, mais ça nique tout, frère. Mais pourquoi tu mets l'orange, frère? Pour moi, là, ça y est, c'est un truc, c'est immangeable. Immangeable. Pour le goût, mais ok, pour le goût, c'est cool, mais. Bah ok, bah pour le goût, vas-y, je vais mettre du goudron aussi, pour le goût. Laisse-le, c'est un professionnel. Oh putain, lui, il me régale, là, par contre. Il sait ce qu'il fait, on va le laisser faire, ça se trouve, vous êtes exceptionnel. Mais l'orange. L'orange. Va en Azerbaïdjan, les gars. Me chauffez pas trop, hein. Me chauffez pas trop. Un billet pour l'Azerbaïdjan, ça va très très vite. C'est quoi la capitale de l'Azerbaïdjan? Putain, c'est une erreur capitale que je connais pas. C'est quoi la capitale de l'Azerbaïdjan? Ah oui, c'est Bakou. Attends, Paris-Bakou. Putain, ça coûte. Pourquoi tu mets 16 euros? 16 heures, pardon. 583 euros pour y aller. Bakoubé, hein. Fais une vidéo et demande à Webedia. Mais cousin, Webedia, ils s'en bat les couilles de ma. Ils s'en bat les couilles de ma gueule et j'en ai rien à foutre de Webedia. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Hein. Capitale du Mali, Bamako? Non? Peut-être que je suis un ouf. Bah attends, parce que là tu me fais douter là. Ouais, c'est Bamako, ouais. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Capitale du Sénégal. Putain. Putain, là j'ai tout oublié. Il y a capitale du Sénégal, attends, parce que là tu. C'est bien, j'ai un trou de mémoire. Ouais, c'est Dakar, hein. Et pourtant, de base, c'est la capitale, je suis très très fort, mais là. J'avais carrément oublié.
putain, non mais les gars, c'est tellement le bonheur. Est-ce qu'il y a un joueur, est-ce qu'il y a un joueur azerbi qui est fort au football? C'est une vraie question. Genre, j'en ai pas un seul en tête là. Test capital maintenant, c'était un homme. Après. Oh putain, c'est... putain, il se fait un thé. Ah ouais, là, il se régale. Y'a que la Formule 1 là-bas. En Azerbaïdjan. Bakou, y'a pas aussi des essais. Des essais pour l'espace ou je sais pas quoi là. Mkhitaryan, il est arménien. Oh, mec. Salam. Salam. Voilà. Mikima. Bah. Ah putain. Ah, c'est tellement. Baïkonour, ouais. Ah, Baïkonour. Ah, ce Kazakhstan. Oh putain, mais c'est trop. C'est le. Je crois que c'est le mec le plus heureux de cette planète. Mais vous pensez qu'il a des problèmes dans la vie, ce mec? Honnêtement? Oh, les cannelés. Incroyable, les gars, les cannelés. Pour moi, ceux qui n'aiment pas les cannelés sont antisémites. Voilà, je le dis. Ne pas aimer les cannelés, c'est être antisémite. Incroyable. Non mais voilà, c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui fixe les règles, les gars. Hein. Toi tu l'es aussi. Attends. Moi, antisémite. Attends, c'était quoi la vidéo du moi puceau? Sérieusement. Qu'est-ce qu'il dit après? Oh putain, du bon caca là. Ah, le caca bien chaud, du bon bousin là. Oh putain, le barbecue qui régale. Oh, le barbecue qui régale. Eh, le professionnel que c'est, n'empêche. On va regarder alors le résultat du poisson. Oh putain. Et quand même, il a l'air d'être énervé, son poisson. Putain, respect à la daronne de Grim Cujo, vraiment. Elle a été cuite par un Azerbi déter. Ouais, l'orange, mais... à voir. Il faut que je vois la gueule du truc. Allez, unboxing. Unboxing, là. On va nous faire kiffer. Allez. Le mec a quand même creusé un puits pour cuire sa sardine. Mais frère, tu crois qu'il... c'est son métier. Tu parles à un expert. Mets du respect sur cet expert, mon gars. Putain, tu manques trop de respect, là. Attends. Ah ouais, non. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est du solide, hein. Ah, c'est du solide, hein. Ah, ça a l'air d'être... ah, ça a l'air d'être bien, bien bon, hein. Putain, la peau. Oh, la cuisson à l'intérieur, elle m'a l'air d'être curieuse, par contre. Bon, là, je suis là, par contre, j'ai envie un peu... là... Là, ça me donne pas envie, là. Après, ouais, c'est la tête, c'est ça? Oh, putain. Attends, vas-y, faut qu'il sorte un vrai morceau. Ah ouais, bon, là... Il devient vraiment un bobo parisien, pourquoi? Parce que j'aime bien ça? T'es un ouf, toi! Putain, Yas, tu deviens vraiment un bobo parisien parce que tu regardes la vidéo d'un mec qui fait cuire un poisson géant. C'est quoi le rapport? Pitié. Oh putain, ah ouais, ah non. Oh. Ah, ça a l'air d'être insane. Oh, ça a l'air d'être insane. Souhaitez-lui bon appétit, le chat aussi, s'il vous plaît. S'il me dit super, c'est un boss. Et dites bon appétit à ce chef!
Regarde avec les beaux bruits de bouche. Super. Super. Oh putain, c'est le boss. Je crois que c'est le boss. Ah, c'est le moment préféré de... Ah, c'est mon moment préféré. Attends. Ah putain. Attends, pour repas, je repasse ce moment. Super. Oh putain, quel boss. Quel boss. Ah là là, tu vois, c'est des petits plaisirs comme ça. Putain, on aime. C'est beau, on aime ça. Super. Oh putain. Attends, je vais m'envoyer une dernière vidéo de ce mec. Mais je veux qu'il me fasse cuire une viande d'exception. Oh putain. Oh putain, c'est exactement à quoi je pensais. Une viande d'exception. Et il y a, pour moi, c'était exactement ça. Attends, il y a soit ça. Ah mais putain, là, il parle. Ou soit il y a le kebab. Oh putain, c'est vrai, celle-là, je l'avais vue. Ouais, ça fait cuire des couilles. Il y a laquelle qui vous inspire, les gars? Vous voulez laquelle, là? Un kebab juteux de foie de bœuf et de cœur avec un pâté tendre. Un plat turc viande délicieuse enveloppé dans des intestins d'agneau. Non, les couilles, ça a pas l'air d'être ouf, hein. Oh putain, mais celle-là, attends. Ça, c'est magnifique. Attends, il avance un petit peu. Mais ça, mais c'est quoi? C'est de la cuisse de bœuf. Mais c'est colossal, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors là, les gars, j'ai une question. Pourquoi souvent, même pour faire cuire du canard et tout, ils font comme ça? Ils coupent la viande comme ça. À quoi ça sert? C'est pour la cuisson? C'est... Pour la... Ouais, mais je comprends pas l'anglais. Il y aurait des épices pour que ça mine, mais incroyable. Le chat, je suis certainement très con, mais pourquoi le titre en français? Bah parce qu'il y a des traducteurs. Les traducteurs, en gros, ils ont mis le titre dans toutes les langues possibles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de vues. Oh putain, vas-y. Oh là 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 là. Il habite dans le monde d'Hunter x Hunter pour trouver des bestioles comme ça, je te jure. Je me suis cassé. Envoie la vidéo côte de bœuf. Quelle vidéo côte de bœuf? C'est quoi ça? Le truc rouge là, j'ai pas vu. Garlic, c'est de l'ail, non? Du smegma, ah ouais, je pense aussi. Du smegma, mais c'est insoutenable. Juste au romo. Paul Biber. Du chili pepper, à pas confondre avec les red hot chili pepper. Quand je pense à chili pepper, je pense au tabasco, je sais pas pourquoi. Le tabasco, c'est vraiment dégueulasse, hein. Je comprends pas pourquoi les gens, y a des gens qui kiffent ça. Oh putain, mais sa sauce a l'air d'être insane, frère. Oh putain, c'est en français. Oh, incroyable. Oh là là, mais caresse-moi comme ça, mais par pitié. Oh non, là c'est grotesque. Là, c'est incroyable. Là. Non mais là c'est exceptionnel, les gars, vous rendez pas compte qu'on assiste à de l'art, hein. Du véritable art. Oh putain. Il touche bien, bah ouais mon pote. Bah il me calme. Oh ouais, non, mais c'est... Oh ouais, mais c'est patate, comment c'est costaud. Oh là là là. Putain, le bœuf, ils disent qu'il y en a, ils aiment pas ça. Il y en a, ils aiment pas le bœuf, ils aiment pas l'agneau, le mouton, les... Ah, je comprends pas. Putain, le poulet, l'agneau, c'est tellement un banger, le mouton, exceptionnel. Exceptionnel.
Le mouton c'est une dièse, mais je suis pas... Bah après je comprends que toi... Dit bunu, que c'est... Bir sutkada gözleme lazım. C'est plus... C'est fort comme viande, mais le mouton c'est tellement incroyable. Avec des frites. Oh là 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 là. Exceptionnel. Le cochon, mais bah le cochon j'en ai jamais mangé, donc je peux pas dire, tu vois. Le cochon c'est vraiment si sensationnel que ça? Tout le monde me parle par exemple de la charcuterie en mode c'est une tuerie. Genre t'as jamais vu ça de ta vie. Oh là là, c'est magnifique, magnifique. Attends. Bon allez, on va passer à sa cuisson. Les ribs, ouais. Les ribs, ils me parlent. Mes potes à chaque fois ils me parlent des ribs. Ils me disent mec mais tu te rends pas compte. Je peux pas manger de ribs. Ils me disent mais mec tu loupes un plat, mais... Pfiou de fou malade. Teste le cochon, ouais, vas-y, bah, je vais faire un stream. Je vais faire un stream, je teste le cochon en exclusivité mondiale pour 1000 subs, tiens. C'est incroyable, le barbecue. Ça, c'est du beau barbecue. Ça, ça me rappelle la vidéo de The Kelly, à l'époque, quand il avait dit « Je mange du porc sans faire exprès. » Putain, quel connard. Le poulet. Mais moi par exemple le poulet, un truc que j'aime pas du tout dans le poulet, et moi après c'est voilà, c'est mes goûts, c'est les tenders au KFC et tout là. Mais et pourtant je suis fan de poulet absolu, mais les tenders, qu'est-ce que c'est des... Enfin c'est guess de fou frère. C'est vraiment insultément hein, mais je suis pas fan du tout. Oh putain. C'est compliqué. En vrai, non, moi, je suis pas compliqué. Je suis pas compliqué. J'aime toutes les bouffes. J'aime toutes les bouffes. Juste, il y en a certaines où c'est un peu plus compliqué pour moi. Tout simplement. Attends. Ah, par contre, ouais, il te fait un barbecue, mon pote, mais... 3 saat yarıma yemeğimiz hazırdı. Il te faut un diplôme en génie civil, vraiment. Oh putain, 3 heures plus tard. Ah ouais, 7 heures de cuisson, mais ça doit être tendre. Et alors, les gars, là, je vais peut-être raconter une grosse connerie. Là, vous allez peut-être m'insulter. Mais est-ce qu'il est vrai qu'un bœuf, pour qu'il soit tendre, genre faut bien le traiter, genre faut lui faire des câlins et tout. Là j'ai l'impression de dire d'avoir dit la plus grosse connerie de l'année là. Et ça je sais pas, c'est une légende urbaine. Ça améliore la viande pour de vrai. Oh là 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 là, regardez ça les gars. Çok güzel. Pa. Incroyable. Ça a l'air d'être tendre de ouf. Ça a l'air d'être pas bon. Ah ouais, vous trouvez? Moi je trouve ça. Super. Moi je trouve ça sensationnel, wesh. Incroyable. Super. Attends, Poupilla, il a connu un poulet entier, non? Ouais, je peux, ouais, retire un chameau entier. Ouais, un chameau, carrément. Ça fait... Attends, ça fait... Oh putain, le taureau, quel classique. Goût divin de la viande d'agneau au tandoor. Oh là 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 là. Attends, par contre, le chameau, ça a l'air d'être une dinguerie. Oh putain, non, j'ai trop de peine pour ces mecs. Mais c'est un malade hein, par contre hein. Ouais, mon micro est bizarre, ouais, je sais. Oh putain. Mais comment ça tu fais cuire un chameau? Je savais pas que la viande de chameau se mangeait, moi.
Attends, chameau c'est une bosse. C'est ça? Non, c'est deux bosses du coup. Chameau deux bosses, dromadaire une bosse. Oh putain. Maintenant quand je vois des chameaux, pour moi c'est bizarre parce que depuis que j'ai vu la vidéo du Radier Radier qui disait que les influenceuses à Dubaï elles branlaient des chameaux et elles les suçaient, bah j'arrive plus à voir ça du même œil. Je trouve ça bizarre. Ah ouais les gars, vous êtes en retard. Pourquoi elles font ça? Parce qu'elles sont payées. Y'a que toi qui a vu ça, mais vous êtes des ouf les gars. Mais les gars, ça fait partie des affaires des influenceuses de Dubaï. Les influenceuses de Dubaï qui se font faire caca dessus pour énormément d'argent. Et dans ça, il y a aussi des bails en mode elles branlent des chameaux et elles les sucent. Les gars, comment vous êtes dans une grotte ou quoi? Tout le monde, y a toute la planète qui en a parlé, je pense. Hein. Oh putain. Oh non putain. Attends. Oh là, la transition avait été terrible. Par contre c'est magnifique là où il habite. Hein. L'Azerbaïdjan a l'air d'être un pays vraiment fabuleux. Hein. Oh là 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 là. Ah ouais putain. Oh. Ah ouais. Ah ouais, c'est une tractopelle, genre. Ah ouais. Ah, ça rigole pas, hein. Ça se trouve, c'est bon, la viande de chameau. Vous avez déjà goûté, vous, les gars? Cyprien mange calotte. Merci pour le sub. Les gars, si vous voulez sub, évidemment, point d'exclamation prime dans le chat. Point d'exclamation sub. Ça se tient fort. Ah ouais, c'est avec la hache et tout. Ah ouais, putain. Ça a l'air de se rapprocher du bœuf en vrai. Hein. Ça a l'air de se rapprocher du. Par contre, il a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de gras. Hein. Beaucoup, beaucoup de gras. Ah, les petites côtes de chameau là. Tu vois, tu loues un tractopelle pour refaire ta maison, lui, pour tenir un pour faire tenir un chameau, je te jure. Ah, putain. Putain, j'ai regoûté le foie de veau il y a pas si longtemps que ça. Parce que j'aime bien aller au resto ou des trucs comme ça et me dire vas-y, je commande des plats que je mange jamais et vas-y. Et j'ai pris un foie de veau et les gars, le foie de veau compliqué hein. C'est bien bien infâme hein. Bien dégueulasse. Ah, c'est spécial de ouf. Ah ouais, c'est comme les rognons, les trucs comme ça. Les rognons, j'ai jamais goûté. Apparemment, c'est très très fort. C'est très très particulier. Les rognons. Oh, putain, on dirait un peu Robert Pires, le mec. Les abats, ouais, voilà, exactement. Ouais. Oui, c'est quoi vraiment le plat que vous pouvez pas... Vous dites, ouais, non, ce plat-là, je le mange pas. Genre, horrible. Vraiment, hop, putain, le clébard. Les escargots. Ah ouais, putain. Ah, les escargots, qu'est-ce que c'est, un banger. Le riz de veau, je sais pas ce que c'est. Les huîtres, les gars, les huîtres. Les huîtres, mais c'est tellement exceptionnel. C'est tellement une dinguerie les huîtres les gars, putain. Oh là 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 là. Cervelle de bœuf, ouais putain curieux cervelle de bœuf. La dernière fois à Grand Boulevard, hein, à Paris, je passais devant un resto, je regarde le prix de 12 huîtres, devinez le prix pour 12 huîtres. Genre vraiment moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Non mais les gars, 25 balles. Les gars, 12 huîtres, c'était 55 euros. Pour 12 putains d'huîtres. Hein. Vraiment, j'étais choqué. Choqué, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est des malades. Les Parisiens, ils sont complètement tarés. Complètement fous.
ça a un peu chamboulé le rété qu'il y a en moi. Oh là là là. En Bretagne, tu es... oh, en Bretagne, tu y trouves bah, les îles de Marraine et tout, à l'île de Léon et tout. Oh putain, ouais, ah ouais, il donne à tout le monde, c'est un babon de fou. Ah, ah c'est un babon. Ah, il est trop gentil, le mec. Attends, moi je veux le moment, il va le faire cuire. Moi je veux le. Oh, attends, oh putain, là déjà, ça a l'air d'être exceptionnel. Ça a quel goût le chameau? Bonne question. Oh là là là. Mais vraiment, à la gueule, on dirait du bœuf, hein. Mais regarde-moi ce professionnel. Ce professionnel de la cuisine, bordel. Mais regarde comment il fait. Ça, c'est beau, mon pote. Ça, c'est beau. C'est pas Thierry Henry qui stream. Non, désolé, là, j'ai pris sa place. J'ai pris sa place. Oh là 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 là. Attends, vas-y, j'ai passé, mais le moment il va... Attends, les épices. Il met des oignons et moyal. Ah, c'est de l'ail ça, ouais. Carpaccio de chameau. Il y a un truc que j'ai jamais goûté, ça j'aimerais bien le goûter. Un jour dans ma... Enfin, un jour, oui, c'est pas non plus un truc de fou. C'est le tartare. Par exemple, un steak tartare. J'ai jamais goûté. Et je sais pas si c'est exceptionnel ou si c'est guess de fou. Gravon mais dangereux si tu fais toi-même, c'est exceptionnel. Dinguerie tartare, c'est nul, c'est pas mal. Incroyable si t'as rien contre la vente crue, ben jamais goûté. Ya, yeah, c'était allé à la remise des diplômes de sub de pub. Qu'est-ce que j'irais foutre à la remise des diplômes de sub de pub pour voir une école de fils de pute et d'arnaqueurs, vraiment. Après, c'est aussi peut-être parce que j'ai pas mon diplôme. Pour ça. Attends. C'est une idée de manger de la viande crue. Bon, ça a testé. Honnêtement, à tester. Ça a pas l'air d'être si gaze. Oh là 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 là. La viande a l'air d'être insane, hein. Oh les oignons incroyables. Oh comment il coupe comme un professionnel mon pote. Ça c'est beau. Carpaccio, c'est bien mieux. Carpaccio, c'est les fines lamelles de viande, c'est ça? Si je ne m'abuse. Attends, t'es en train de m'appeler ou j'ai rêvé là? Ouais. Allô mon chat, ça va? Ouais, je suis en stream. Ah mince, je t'embête. Non. Bon bah, ok, c'était juste pour te dire, tu m'attends. Là, je vais boire un petit coup et puis après je rentre, d'accord? Bah écoute. Tu m'attends, hein? Ouais, ouais. Ok, ok, je m'en fous. Gros bisous, je t'aime. Ouais, salut, salut. Ouais, c'est bien. Putain, elle est trop amoureuse cette meuf. Mais après, elle m'a dit tu m'attends. Elle m'a dit tu m'attends. Mais attendre pourquoi? J'ai rien à faire moi. J'ai rien à faire moi, de toute façon, je ne suis pas de chez moi. Boire avec qui? Non, les gars, commencez pas. Elle devait boire un coup avec ses potes, avec ses amis. Avec ses amis du travail. Non mais pour manger mais... Non je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Ami ES. Pourquoi? Mais pourquoi il met du citron? Pourquoi?
Mais putain, mais là, il a anéanti le plat. Il a anéanti le plat. Putain, oh putain. Petite abeille. Ah, il tiflotait, il s'en va de ouf avec son thé, lui. Attends, je vais voir la cuisson. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ça c'est beau. Attends, je veux juste voir quand il fait griller. Je viens d'avoir Pierrest Oti dans le SBC icône. J'ai fait le SBC icône moi hier en off-stream, j'ai eu Rivaldo, j'ai trop la haine. Oh là 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 là. Il divise au quoi là, là je suis div 4, je suis en train de monter div 3 là. Putain mais comment ça a l'air d'être sensationnel. Sensationnel. Mais ça tabasse hein. Je tabasse ça hein. Normal. Putain le roi du barbecue. Ah. Ça fait un petit prout. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais 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 ouais. Là je suis d'accord. Je veux voir le résultat de ce chameau. Ouais, à chaque vidéo, il y a le village, je te jure. Vraiment. Oh là 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 là. J'ai envie d'être son voisin, mais regardez comment ça a l'air d'être sensationnel en vrai. Oh putain. Oh vas-y, chef. Chef, envoie-moi, envoie-toi, chef, putain! Ah ouais. Oh, c'est croustillant, ça croustille! Incroyable! Ça, c'est beau. Hein. Là, c'est beau. Parfait. Ah les tomates, je suis moins fan. Tomates chaudes, j'y arrive pas. J'aime bien les tomates froides, mais alors tomates chaudes, j'y arrive pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire lui. Est-ce que Fanny a du bien enfin, alors là mon pote, tu vas être déçu. Hein. Non, tomate chaude, frère, c'est pas bon. J'ai quitté à la fin, moi, j'ai quitté à la fin. Oh putain, allez, j'attends le super. J'attends le super. Pas steak exceptionnel, les gars. Allez, les gars, c'est le moment. Non, ouais, je suis là, y'a quoi. Ah, ça. Mais, ah, mais. Je vais mettre quand même. Allez. Super. Ah, le boss. Super! Putain, il régale tout le monde, c'est un boss! Y'a que les petits! Ouh. Oh putain, c'est beau les gars! Putain, les gars, ça c'est beau! Souhaitez bon appétit quand même aux petits, évidemment!